Yo les gens, c'est Razan, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de mon let's play sur Ratchet & Clank, le premier du nom. Donc tout simplement grâce à Ratchet & Clank Trilogy. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé les épisodes précédents, je vais mettre l'épisode 4 dans la description, voilà. Et pour ceux qui ne se rappellent plus où est-ce qu'on en était, on en était tout simplement, on était dans une nouvelle zone. Et on a récupéré un gant ravageur. Qui est plutôt ravageur hein, pour le coup, c'est vrai qu'on peut le dire, et voilà, il est plutôt performant, ça c'est le cas de le dire, très très bonne arme. Et ensuite on était à la recherche du lieutenant pour essayer d'en apprendre plus sur Drake hein. Je crois que c'est ça. Ok, donc on est parti hein. On va essayer de plutôt bien se démerder. On va utiliser le gant à bombe. C'est vrai qu'il y a un petit point négatif, on va dire, justement du premier Ratchet. C'est tout simplement qu'on n'a pas la possibilité d'upgrade nos armes. Ça, c'est vrai que c'est dommage. Hein. C'était un des points forts de ce Ratchet, enfin des Ratchet & Clank. C'est vrai qu'on ne retrouve pas ça dans le premier Ratchet. Donc c'est plutôt dommage. Hein. C'est un petit peu... Ouais, c'est vraiment dommage. Et bon, c'est pas non plus... comment dire, primordial, mais c'est vrai que ça aurait été plutôt pas mal. Donc voilà, maintenant on va pouvoir aller chercher encore un autre gros tas là. Cette fois il y en a deux, or il y en a trois, donc on va essayer de et jouer un boulot en or en plus. On va mettre trois, regardez l'efficacité. Ah non, c'est pas un boulot en or, d'accord, c'est simplement une arme, enfin simplement une arme, c'est quand même une arme. On va pas trop essayer de s'approcher parce que sinon on va avoir une cinématique et je voudrais pas perdre les boulons. Ça, je pense que vous pouvez comprendre. Ouh, les boulons. Ça fait plaisir. Et ensuite, on a soit un gadget, soit une arme. Donc, c'est vraiment bueno. L'aspiro canon. Alors. Puis il est lancé comme des missiles de gros calibre. Attention, pour entrer dans le canon, les ennemis ne doivent pas être trop grands. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal. Hein. Est-ce que je peux lancer ça par exemple? Je peux pas aspirer une de mes bébêtes? Non, dommage. Allez, c'est parti. Donc ça valait le coup hein, de faire cette zone. J'ai pas compris là pourquoi j'ai pas réussi à l'attraper. Ah si, d'accord, je l'ai attrapé. Ok. C'est juste qu'on récupère le boulon en fait. C'est vraiment une bonne arme. Hein. C'est une arme ou... Ouais, c'est censé être une arme, d'accord. Ouais, c'est vraiment une bonne arme. Plutôt efficace. Parce que comme vous pouvez le constater, bah, c'est plutôt pas mal. Ouais, sauf quand on se rate, évidemment. Par contre, là, je que je sais pas trop où aller, en fait. Parce qu'on a un petit peu fait le tour. Ah oui, il faut aller en haut. Ouais. Je suis pas encore monté en haut. Oui, on peut pas monter en bas, ça vous allez me dire. Oui, c'est un peu onasse, mais... j'étais pas encore allé en haut. On va voir ce qu'il y a en haut. D'accord. Donc, en fait, en haut, ça sert strictement à rien. Bah, écoutez, on est sûr qu'on a un peu fait le tour hein, de cette zone. Vous allez me dire déjà, mais... Oui, on a fait le tour de cette zone. Donc on a eu l'aspiro canon, donc c'est pas mal. On a eu un inforobot, donc on va sûrement avoir accès à une nouvelle planète. Et puis je pense qu'il y avait pas de boulot en or hein, dans cette planète. Voilà, donc ça c'est la nouvelle planète, on sait qu'on pourra aller. Donc là, s'il y avait quoi? S'il y avait quand même un boulot en or, ça m'embête de laisser. Mais à la fois, je vois vraiment pas où est-ce qu'il peut être. À part dans un arbre. Non, je vais pas recommencer avec mon délire d'arbre. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, j'avais un délire avec un arbre. Je disais toujours que le boulon nord serait dans un arbre. Vous voyez ce genre d'arbre? Je pense qu'il y a un trou quelque part. Et puis voilà. Ah, mais il est là le boulon nord. Évidemment. Je tourne la tête et je vois le boulon nord. Ok, alors comment y aller? Ça, je ne sais pas par contre. Ouais, d'accord. J'y suis presque. Il me faudrait genre... Je sais pas. Si peut-être ça.
Non. C'est dingue ça. J'y suis presque. Je pense qu'il y a. J'espère qu'il n'y avait vraiment pas une caisse. Et j'espère vraiment qu'il n'y avait pas une caisse parce que sinon je vais me sentir un petit peu mal. Parce que ça veut dire que bah on va regarder. Enfin, je pense que ça marche comme ça. On va quitter le vaisseau. Enfin, on va quitter la planète et on va revenir. Et on va essayer de choper le boulon en or. Donc on va aller sur la planète. Pas la nouvelle planète parce qu'il risquerait d'y avoir une cinématique. Mais on va aller à la précédente planète, voilà. Et comme ça on va pouvoir essayer de récupérer le boulon en or. Parce que je pense qu'il y avait une caisse à cet endroit là. Donc on va à la Carwan, voilà, parfait, on y va. Ça va prendre un petit peu de temps, mais bon, ça vaut le coup, hein, c'est quand même un boulon en or à la clé, donc. Donc voilà. Planète Carwan. Alors. Sachant que j'avais aussi un boulon en or ici, que j'ai pas eu, je crois. Même deux que j'ai pas eu ici. Mais j'ai aucune idée où est-ce qu'ils peuvent être. Donc on ira les chercher la prochaine fois. Sauf si par exemple je le vois là maintenant, par exemple je saute là. Et là je dis ah ouais d'accord il était là. Mais ouais non c'est pas le cas. Si je le vois pas tant pis pour moi. Mais apparemment les boulons noirs sont plutôt visibles hein, dans ce Ratchet & Clank. Enfin, ce que je veux dire c'est que on les avait vus hein. Mais là apparemment il n'y en a pas. Je sais plus si c'est dans cette planète là que qu'il me manque un boulon noir. Je trouve que j'ai n'importe quoi, mais il m'en manquait pas. Attends, je vais regarder vite fait. Alors, dans cette planète, donc, qu'est-ce qu'il y avait? Oui, j'en ai trouvé que 1 sur 3. Bon, bah, c'est dommage, hein, mais. Mais tant pis. On va aller donc dans. On va revenir dans la planète et on va essayer de choper le boulon en or, voilà. Allez, alors est-ce qu'il y avait une caisse? Voilà, maintenant c'est le verdict. Donc là, on voit bien que les caisses sont revenues. Donc ça fait énormément plaisir. Ça veut dire que s'il y avait besoin d'une caisse pour monter, ben, on va pouvoir récupérer le boulon en or. Alors est-ce qu'il y avait une caisse? Là, c'est un grand moment de suspense. J'en vois pas. Oh non, j'en vois pas. Ah, c'est affreux. À moins que je puisse sauter sur un ennemi. Ouais, on va pas prendre le risque. Ou alors on va en laisser un seul. Ah là, il y en avait pas. Enfin, il y avait des caisses, mais. À moins que. Ah! À moins que. On peut aspirer des caisses avec. Avec ça, mais. Apparemment, non. Il n'y a pas une caisse là que je pourrais essayer de prendre. Bon, ça, par contre, je peux pas. Ok. On peut vraiment pas prendre ça. Oh là, je sais pas comment faire. Par exemple là. Je sais pas, mais on peut pas genre le lancer et pouf. Non. Y a pas ça à faire. Non. Ah. Il y a peut-être une sorte de chose comme ça à faire. À moins que. Je sais pas si c'est. Oui, c'est. On avait vu un petit endroit plutôt étrange. Non, c'était pas là. Non, c'était pas là. Je pense pas qu'on puisse monter là. On peut pas monter sur les. Sur les la montagne. Donc le seul moyen pour moi, bah, c'est simplement de faire ça. Hein. Non, pas ça. À moins que. Ah, là-dessus. Ouh! J'avais raison. Ok, donc voilà, parfait. On a retrouvé un boulon en or. Donc ça fait plaisir. C'est notre quatrième, hein, si je m'abuse. Je crois que c'est le quatrième. Donc, non, cinquième. Quatrième ou cinquième. Cinquième. Ouais, c'est le cinquième. Donc on va juste récupérer les petites caisses là-bas et puis on va pouvoir. On va être parti pour la nouvelle planète. Allez, on est parti.
Vous allez voir encore le saut que fait Clank. Vous avez vu? C'est vraiment très très haut. C'est pas très important. Alors, explorer la station et il y a deux boulons en or à récupérer. Ok. C'est pas une planète, d'accord, c'est une station. Station Blargue. Donc j'ai l'impression que c'est là qu'est censé être Craig. Ok, il y a un marchand d'armes. À mon avis, il va y avoir une nouvelle arme qu'on va pouvoir acheter, mais avec un prix complètement abusé. Non! C'est un attrape-nigo, ça s'appelle. Ça, c'est de la balle. Ouais. Je sais pas vraiment si je l'achète parce que attrape-nigo ça fait un petit peu bizarre comme nom. Pff, on va l'acheter hein. On va voir ce que c'était attrape-nigo. D'accord, ouais. J'ai vraiment l'impression qu'on s'est fait avoir. Enfin, que je me suis fait avoir. Mais bon, c'était prévisible hein, avec un nom pareil. Bon, au moins, voilà. On... C'est plutôt marrant. Ah, c'est plutôt marrant. Est-ce que ça pourra nous être utile, hein, c'est pas. Hein. Cette navette à pilote automatique va t'emmener vers un vaisseau de guerre Blargue hors service. Nos scanners indiquent qu'il renferme peut-être de précieuses technologies. Bah allons-y alors. Quoi qu'il y ait, on va peut-être essayer de bien observer la zone. Là, ça m'étonnerait qu'on puisse sauter. Ouais, non, c'était sûr, c'était prévisible. Là, on a des sortes de machins qu'on peut détruire, qui ne bougent pas. Là on a une sorte de rond. Ah voilà. Là on a un petit crocheteur donc on va essayer de y arriver. Allez. Bah moi je suis super doué ce machin là. C'est de l'ironie évidemment. Alors donc là on peut en avoir deux comme ça. Donc là ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher aussi. Ok. Sauf que donc là il nous faudrait celui-là. Et l'autre. Parce que c'est... Je les vois plutôt comme ça, moi. Un qui est là et un qui est là, ouais. Moi, je les vois plutôt comme ça. Et du coup, ça serait celui-là qu'on mettrait là. Non. Là. Ah, mais de toute façon, il est... Dans tous les cas, j'en bloque un, en fait. Mais je crois que c'est bon là. Il suffit... Ouais, c'est bon. Voilà, il suffit juste de changer celui-là et de le mettre là. Voilà. Parfait. Ah, une petite séquence avec Clank, ça fait plaisir. Regardez, moi il fait pas des sauts de géants hein, avec moi. C'est pas normal. Ok, c'est parti. Donc on peut attaquer. Je me rappelle un petit peu les commandes de Clank. Ce serait marrant qu'il y ait un boulon en or à récupérer avec Clank. Ouais. Ouh, un boulon. J'aime bien, on récupère les boulons un par un avec Clank. Il y a un boulon en or là, hein, en face. Vous voyez? Mais si seulement je savais comment on pouvait y aller. Ouh, une grenouille. Donc là, évidemment, on va éviter de casser la caisse. Surtout sachant qu'on en a deux autres, là. J'espère que... Non, je pense pas qu'il y avait quelque chose à faire. Là, j'ai pas l'impression qu'on puisse aller quelque part, donc voilà. Donc on va pouvoir détruire. Non, on va pouvoir détruire cette caisse-là, voilà. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord, j'ai une idée. Super glissade. Saute et une fois en l'air, maintiens de nouveau la touche 3 enfoncée pour glisser. Ouais, j'ai pas trop suivi. Allez. Non, d'accord. Gros fail. En fait, je voulais sauter de tout là-haut jusqu'à
bah jusqu'à là, tout là-haut quoi. Enfin, je voulais sauter de tout là-haut jusqu'à là, l'endroit où on pourrait peut-être aller. Voilà, là. Vous voyez là? Attendez. À cet endroit-là. Mais j'ai pas l'impression qu'on puisse. Super glissade. Non, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir y arriver. Peut-être que c'est comme ça, hein. Ou peut-être pas. Ah, à moins qu'on puisse sauter là comme ça. Non. D'accord. Je tente, hein. Commencez pas à me dire ouais, non mais c'est pas comme ça. Non, non, non. Ok, on va pas détruire de caisse, que ça se trouve ça pourrait. Ça pourrait nous faire. Ça pourrait nous porter préjudice, n'est-ce pas? Non, ça pourrait tout simplement nous faire rater un boulon en or, et ça, je veux pas. Donc là, on peut aller dans une sorte de vaisseau, enfin de réacteur plutôt. Je voulais tuer que. Enfin, je voulais casser que la première. Mais apparemment, on n'a pas vraiment de choix. Comment on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire? J'ai aucune idée là, hein, pour récupérer le boulon en or. Là, vous voyez qu'on peut, on peut passer par là, mais. Mais ça m'étonnerait que ce soit comme ça qu'on puisse récupérer le boulon en or. Hein. J'aime pas une fois que je sais où il est. Une fois que je sais où il est, j'aime pas le devoir le laisser tomber, on va dire. Enfin, devoir. Je suis où là? Oh là, bah, je suis perdu. Ah non, d'accord, ok. Ah, on est revenu au point de départ. Oh. En même temps, j'avais pas qu'à mourir. Bêtement. Oh, mais c'est pas vrai. Ça va être long. Je voudrais vraiment avoir le boulon en or là, parce que là je pense qu'il est facile à avoir. Parce qu'avec l'angle, il n'y a pas 36 solutions, vous voyez. Je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Vous voyez que. Je pensais que. Ouais, non, c'était pas une bonne idée non plus. Alors. On va essayer de pas mourir. Voilà, bien joué. Ouf, parce que je suis doué. Mais comment faire là, hein? Je tente un petit peu, je sais pas trop que. Pas trop quoi faire en fait. Mais j'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand chose quoi. C'est ça un petit peu le souci quoi, c'est que. On est un petit peu démunis. À moins qu'on puisse grimper là-haut. Ouf. Voilà. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais. À moins que l'on puisse. Non, c'est comme ça qu'il faut monter. Vous voyez, on monte là. On monte là. On monte là. Et ensuite, on essaie de se débrouiller de manière à monter là-haut. Mais comment voulez-vous que j'y arrive? Il n'y a aucune chance. Non, on peut pas monter. Il faudrait Ratchet quoi. Si on avait Ratchet, évidemment, ce serait beaucoup plus simple. Ça, je pense que vous vous en doutez, mais parce que là, on peut rien faire. Vraiment, on peut strictement rien faire. On va casser les briques, hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Non, on peut pas, on va pas essayer de. On va pas réessayer, hein, de toute façon. Ça m'embête là. Hein. Je suis tout triste. Oh si, je suis tout triste. On va essayer de continuer, hein, tant pis pour le boulon. Derrière, y'a rien à aller choper. Non. Peut-être qu'on pourrait le récupérer après, hein. Peut-être que. Même si j'en doute, hein. Peut-être qu'aussi on aura peut-être l'occasion de revenir avec Ratchet. Oui, il est là le boulon en or, quoi. C'est ça qui est un petit peu dégoûtant, quoi. C'est que on passe tout près.
Ok, donc faut faire ça. On n'est pas pressé, vas-y, prends ton temps surtout. Voilà. Donc là, on peut passer par là, mais je crois pas que ça serve à grand chose. Ouf, là, je pense pas que je puisse sauter. Non, je peux pas. Faudrait que je monte plus haut, vous voyez. Et qu'on aille, enfin, que j'aille vraiment très très haut, mais. Là, j'aimerais bien avoir l'occasion de monter quelque part. Parce que là. Pourquoi pas. Et pourquoi pas d'ailleurs. Parce que là, on est attiré par la grosse bête là, mais. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de. Bon, déjà là, on a découvert nos mini-robots. Tu viens d'activer un mini-robot. Pour le contrôler, maintiens la touche. Donc là, on peut entrer. Comment ça, entrer? Attaquer. Suivre. Et attendre. Ok. Donc on va plutôt les mettre en suivre. Et puis après, on va leur dire d'attaquer, hein, j'imagine. Allez, attaquer. Allez. Ils sont un petit peu chiants par contre. Je leur avais dit de suivre. Suivez-moi. Ah ok, donc il y a une portée vraiment minime. Hein. Attaquez. Voilà. Ça c'est bien. Un seul petit souci, c'est que pour entrer, j'ai besoin de mes quatre petits robots, mais je les ai tous perdus en combat là. À moins qu'ils soient revenus au même endroit. Ok, ouais, ils sont revenus au même endroit. Allez, suivez-moi, dépêchez-vous, on va pas perdre de temps. Je vais détruire les caisses d'ailleurs. Parce qu'elles vont pas me servir à grand chose. Ah! Et si, par hasard, il y avait quelque chose à faire là? C'est quand même bizarre! Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On peut monter, ouais, non, mais ça sert à rien. À moins qu'on puisse monter. Ouais, non, bon, je sais pas. Je sais pas vraiment ce qu'il faut faire. Utilise la commande. Allez, entrez. Voilà, parfait. Maintenant, apparemment, on a une sorte d'arme. On va la prendre. Hein. Alors, c'est quoi? Ouais, c'est une arme plutôt lourde, pour lui en tout cas. Genre, j'aime bien, c'est que c'est beaucoup, deux fois plus gros que lui. Il arrive à la mettre dans son ventre. Non, ce n'est pas du tout abusé hein, comme jeu. Vous voyez bien que tout est réaliste. Ça fait plaisir. Très sérieusement. J'ai pas eu le temps de lire parce que je pensais que j'allais pouvoir utiliser, mais non. Donc du coup, là cette entrée elle sert à rien. Là je pense pas que je peux activer quelque chose avec les commandes. Non. Génial. Donc je pense que pour le boulot en or c'est complètement mort. À moins qu'on puisse, mais ça serait vraiment le top du top. À moins qu'on puisse vraiment... revenir dans la zone avec Ratchet. Donc ça serait plutôt le must. Rejoindre Ratchet. Bah oui, je vois ça. Et j'ai trouvé ça. Hey, cool. Ça qu'est-ce que c'est déjà? Un hydrodéplaceur. Ah ouais, super. Bah j'en ai toujours voulu un comme ça. Enfin, je crois. Ok, alors je suis obligé de passer par avec Clank là. Tu peux placer un gadget ou une arme sur ton select prompt. Mets la partie en pause et c'est. Select prompt. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est comme dans. D'accord, sauf que norme. On va mettre à la place de l'attrape Nigo. Hein. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, hydrodéplaceur, je voulais mettre à la place de ça. En fait, je fais n'importe quoi là, j'ai l'impression. Ouais, bon, alors. Ensuite, il nous faut quoi? Il nous faut. Donc, le gore ravageur, ça c'est primordial. Ouais, donc ça c'est bon. Pyro lanceur, grand bombe. Et le respiro canon. Voilà, parfait. Je pensais qu'en appuyant sur triangle,
On pouvait après avoir une deuxième page, mais non en fait. Donc là, je peux envoyer que Clank, donc c'est plutôt dommage. Parce que, du coup, ça veut dire que bah, je pourrais pas récupérer le boulon en or. C'est plutôt bête. Ah, ça faisait de le péter. Ah bah si j'avais su. Voilà, parfait. Bon, pour l'instant, c'est que des grenouilles, donc c'est pas très très grave. Voilà, fais-moi le malin. Tu as besoin d'aide pour venir à bout de ses ennemis ? Utilise ton attrape-nigo. Ah bon ? Ça peut servir à quelque chose, l'attrape-nigo ? Bah, si j'avais su. Ça va, j'ai bien envie de l'utiliser. Alors, c'est le prompt. Donc, simplement, à la place de sort, on va simplement mettre l'attrape-nigo. Voilà, parfait. Ah non, je suis craqué. Je confonds les images, non. Là, j'ai voilà. Ça, c'est l'attrape-nigo. Parfait. C'est marrant. En gros, ça perturbe l'ennemi, quoi. Ouh, j'ai failli mourir parce que je pensais que ça marchait avec toutes les sortes d'ennemis, mais en fait, non, pas du tout. Ça ne marche qu'avec un certain type d'ennemi. Waouh. Waouh. Moi, ce que je vous propose, on va essayer déjà de voir ce qui peut se passer là. Donc, on va essayer de se dépêcher un petit peu. Hop. Donc là, je peux en tourner qu'un. Sur la dernière ligne. Ah non, il y en a deux, d'accord. Il faut que ça soit des presque opposés. Ça ressemblerait plutôt à ça. Donc ça veut dire qu'en fait, non, faut que je mette ça là. Attends. En fait, non. Comme ça, ça marche. Donc ensuite, faut que je fasse. Là, faut pas que je gêne, d'accord. Mais là, je gêne. Ok. Ok. Ah ouais, carrément! Ah ouais, donc c'est pas mal ça en fait. Niveau boulon, ça va faire plaisir. Allez, on se fait plaisir. On dirait une sorte de bombe là, mais ça n'est pas une, hein. Enfin j'espère. Voilà, il n'y en a plus. Il n'y a rien à récupérer en haut. Je ne pense pas. Ok. On est à 28 minutes de vidéo, je crois. Je vérifie quand même. On a 28 minutes de vidéo. Et bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. On se retrouve pour le prochain épisode, hein, donc il devrait arriver très prochainement. Moi, je vous dis prenez soin de vous. Ciao à tous et prenez soin de votre famille. Voilà. C'est les vacances, donc prenez soin de votre famille. Voilà, allez. Ciao à tous.